qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à la con? C'est tout de suite dans le Botch Actu. Et on commence avec la 20th Century Fox, qui a profité de la sortie en salle de Logan pour donner des news de son autre super-héros phare, Deadpool. Et ce, à travers donc un court-métrage de 4 minutes balancé sur internet ce week-end. Un court-métrage, ma foi, fort sympathique, qui s'amuse à parodier cette vision connue de Superman se changeant dans une cabine téléphonique. Ouh. This is a job for Superman. On aura notamment relevé un easter egg glissé ici, en effet, puisqu'on peut lire Nathan Summers. Nathan Summers étant le nom de Cable, et Cable étant le nom d'un des méchants de l'univers de Deadpool. Ah, c'est lui, d'accord. Ce qui nous laisse aisément deviner que Cable sera donc l'antagoniste du prochain film. Film dont le tournage débutera cet été. Nice suit. Zip it, Stanley. Sans transition, enfin, à part si on compte ces transitions-là. Politique donc, et en politique en ce moment, c'est le bordel, comme ça va sévèrement être le cas cette année jusqu'à au moins mai 2017. Cette semaine, c'est donc Macron et Fillon dont on a beaucoup entendu parler. Alors d'abord, s'il y en a un qui est dans la merde, c'est bien lui. Et oui, depuis que le Canard Enchaîné a révélé en janvier que François Fillon aurait bien rempli celui de son épouse à hauteur de près d'1 million d'euros à ne rien foutre, eh bien une gigantesque cascade de chiasse ça va sur lui. Et là, cette semaine, nombre de ses fidèles partisans se sont mis à le lâcher après l'annonce officielle de sa mise en examen prévue pour le 15 mars. Et alors qu'il a la justice sur le dos et que les sondages l'annoncent au plus bas, monsieur continue et a d'ailleurs déclaré: j'irai jusqu'au bout. Il exhorte, il se bat, il ne veut pas partir. Mais en fait, c'est le loup de Wall Street, le gars. Sérieux, il est impliqué dans des affaires de pognon, il est poursuivi tout le temps par les flics. Et quand ça y est, on a l'impression que ça va trop loin, qu'il va devoir se retirer et faire son discours d'adieu. Eh bien. You know what? I'm not fucking leaving! The show goes on! L'autre affaire qui fait parler cette semaine, elle concerne Emmanuel Macron, qui était jusque-là le candidat mystère. Eh bien, il s'est enfin décidé à lâcher son putain de programme, un programme mis à gauche, mis à droite, qu'on ne va pas passer en revue maintenant parce qu'on n'a pas le temps, et surtout parce que ça ferait chier tout le monde. Mais nous allons tout de même mentionner une proposition assez étrange qui fait pas mal parler. L'interdiction dans les collèges et lycées de téléphones portables. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon dieu, mais si cette loi passe, vous imaginez le bordel que ça va être? Ça sera mai 68 x 10, le sol va trembler, les rues vont se remplir de lycéens pas contents, avec le pan d'un mogueur en tête de cortège. Dieu nous préserve de ça. Let's do this, bitch! Dans le genre insolite, à présent, une mauvaise nouvelle est tombée, une mauvaise nouvelle qu'on voyait venir, puisque des chercheurs au Canada ont confirmé une vieille légende urbaine. Il y a bien de la pisse dans votre piscine municipale. Et pas qu'un peu. L'étude démontre qu'il y aurait environ 30 à 75 litres de pisse en moyenne. De quoi donner à l'expression « boire la tasse » une nouvelle dimension beaucoup plus effrayante. Et de quoi également donner une nouvelle vision à ce genre de scène de film qu'on ne verra plus de la même façon. Bref, le seul qui est content dans l'histoire, eh ben c'est ce brave Bear Grylls. Lui qui aime tant boire de la pisse. The only thing I can do is to drink my own pee. Sinon, c'était aussi la dernière du Grand Journal ce vendredi. Enfin, pour ceux qui se rappelaient que cette émission existait, bien sûr. Et oui, il faut dire que ça faisait déjà un petit moment que ça commençait à craindre pas mal. Et l'arrivée de Tonton Bolloré n'a pas arrangé les choses. Des audiences toujours plus basses, Baba sur la 8 toujours plus fort. Et donc, finalement, la sentence a fini par tomber. Ils ont même pas attendu la fin de l'année. Mais tout de même, c'est quand même la fin d'une époque. Car avant de devenir tout pourri, le Grand Journal, c'était plutôt sympa. À son lancement en 2004, c'était l'époque de Denisot présentateur. Désolé. Mais aussi de tout un tas de rubriques qu'ils avaient fait découvrir plutôt sympas, comme le SAV de Omar et Fred, la météo de Louise Bourgoin, le petit journal de Yann Barthès, ou encore la série Bref de Ken Kojandi. Mais bon, comme Dexter ou je ne sais quelle autre série sympa qui dure trop longtemps et devient malheureusement de plus en plus chiante, le temps était donc enfin venu de débrancher la prise. Et le pire, c'est que si on ne vous l'avait pas dit, vous ne l'aurez même pas remarqué. Désolé. Dans la partie vidéoludique, on a cette semaine le lancement officiel de la Nintendo Switch qui est arrivé accompagné de la sortie d'un titre très attendu puisqu'il s'agit d'un nouveau Wii Sport. Non, ça on s'en branle. Non, il s'agit en fait bien sûr du nouveau Zelda intitulé Breath of the Wild, qui, à peine sorti, est déjà qualifié par beaucoup comme un classique du jeu vidéo. C'est un peu le Mad Max Fury Road du jeu vidéo, puisque beaucoup de choses ont su séduire le public, comme notamment le côté open world, vraiment mis en avant dans ce dernier volet au travers d'une carte immense, dans laquelle absolument tout ce qui est visible est visitable. Enfin bref, vous savez quoi, nous ne l'avons pas testé, mais si vous, c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou non avec tout ça dans les commentaires.
Pour ce qui est de la Nintendo Switch, certains l'imaginent comme un foirage complet. On lui reproche notamment son retard en termes de puissance comparé aux autres consoles de Sony et Microsoft, mais aussi son côté mi-console de salon, mi-console portable ou encore son ergonomie foireuse. Est-ce que le mot ergonomie te dit quelque chose ? L'homme et la machine. De plus, l'envie qu'a Nintendo de persister dans le développement du motion gaming casse aussi un peu les couilles. C'est vrai ça d'ailleurs, avant Nintendo se contentait de faire des bonnes putains de consoles, mais depuis la Wii, ils mettent à fond l'accent sur le motion gaming, ce qui a commencé avec la Wiimote de mes couilles, puis le gamepad de mes burnes, et maintenant ça. Alors c'est vrai que ça peut être sympa de minutes, mais bon, le problème du motion gaming, c'est que ça devient quand même rapidement chiant. Tenez, moi par exemple, mon expérience avec la Wii, ça avait été à peu près ça. Enfin bon, tout cela n'a pas empêché la console de casser la baraque en France avec plus de 105 000 exemplaires vendus en moins d'une semaine, ce qui constitue ni plus ni moins un record que Nintendo doit notamment au prix très abordable de la console. Oh, t'es encore là toi? Allez, on passe aux sorties du mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on a au ciné cette semaine? Eh bien, il y a un film en particulier qui fait pas mal de boucan. Il s'agit bien sûr de Kong Skull Island, un nouveau film sur le singe le plus célèbre de l'histoire du cinéma, avec Mookie bien sûr. Sacré Mookie, va. Bon alors, qu'est-ce qu'il a ce King Kong de différent par rapport aux autres versions? Bon ben déjà, le fait qu'il fasse 30 mètres de haut, ce qui fait qu'il est encore plus balèze que celui de Peter Jackson. Et surtout, le fait que ce King Kong a été fait dans le but de se fighter avec Godzilla. Et ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez du Godzilla sorti en 2014, mais le but des studios Legendary et Warner, depuis le début, eh bien c'est de faire ces deux films dans le but de faire affronter ces deux énormes monstres dans un troisième putain de long-métrage de fils de pute nommé King Kong vs Godzilla, et prévu pour 2020. Une sorte de remake de la version de 62, mais ça sera quand même pas aussi épique, je pense. Et petite anecdote pour finir, les créateurs du film se sont inspirés d'un Pokémon de la première génération pour créer certaines des créatures qui peuplent l'île de King Kong, à savoir ceux-là. Je vous laisse 3 secondes pour deviner de quel Pokémon il s'agit. Alors, si vous aviez dit Ocelot... Félicitations ! Et maintenant, on termine avec l'actu de Botch, qui n'a toujours pas de jingle, donc je vais juste foutre une transition. Alors, dans cette partie, je vais simplement commencer par remercier Doc7 qui a parlé de nous dans une de ses dernières vidéos, ce qui nous a permis de réussir à atteindre les 50 000 abonnés. Soit doubler le nombre d'abonnés qu'on avait eu en 3 ans en moins d'une semaine, c'est fou! Donc merci infiniment Doc et bienvenue à tous les nouveaux venus. Bienvenue à toi Cyril Zeb et à toi Samy Fella, mais aussi à toi Loulou le Waon. Dans les dernières réactions, nous avons Esteban qui s'est fabriqué sa propre disquette botch, Tom Blanc qui lui nous a fait un superbe dessin. Ou encore Alice qui nous fait un très sympathique compliment mais nous demande toutefois d'être un tantinet moins vulgaire. Pas de problème Alice, c'est enregistré. Sinon il y a aussi ce putain d'enculé de fils de pute de Corbeau TV qui lui nous demande si faire une vidéo hebdomadaire ne bouffe pas trop de notre temps. Et oui, c'est vrai que faire une vidéo par semaine ça nous bouffe pas mal de temps, c'est d'ailleurs pour cette raison que celle-ci est en retard. Mais au final ce n'est pas non plus insurmontable, je pense d'ailleurs surtout qu'il faut simplement qu'on s'habitue à ce nouveau rythme. Car en effet là c'est le deuxième épisode donc on galère encore un peu mais petit à petit on devrait s'y faire, ne t'inquiète pas. Sinon on ne se serait jamais lancé là-dedans. Ah oui. Mookie! Allez, avant de se retrouver la semaine prochaine, un dernier tweet pour finir de... Oh putain, mais c'est Frank Underwood! Alors ça, c'est la classe, je savais pas qu'il suivait nos vidéos. Bah attendez, dans ce cas-là, autant finir dignement.